Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours dans le cadre de la série d'émissions portant sur les élections municipales sur le territoire de la MRC des Appalaches, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la municipalité de Kenner's Mills. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un candidat à la mairie de Kenner's Mills, M. Marquis Bédard. M. Bédard, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous m'avez dit avant le début de l'émission, vous êtes un natif. De oui. Canners Mill. Oh, oui, ben, Avez-vous euh... demeuré toujours là? Avez-vous demeuré toujours là, oui? J'ai, Sauf quatre ans. Il, ah, y a, ben, bon. il y a quatre années ouais. que j'ai quitté pour euh, le, le travail, là. mais euh, j'ai toujours demeuré là. Je suis natif de, sur la route Coxon à Caners. c'est près du village. Là, présentement, je suis rendu au village euh, parce que j'ai vendu ma ferme à ma fille. Et elle qui a pris aujourd'hui, on peut dire, il a pris les cordes d'eau, il a pris la relève. Puis euh, je suis bien content que. Euh, et, votre euh, ferme, par rapport au, au village, est située. Euh, euh, curiosité. Là. Pour bien expliquer, elle est dos au Camping Soleil. Ah bon, maintenant ouais. ça c'est connu de tout le monde. Hein, le oui, Camping Soleil, ça, soleil, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Ah, ça. Oui. Alors, vous êtes oui. d'eau au Camping Soleil. Oui, on est d'eau au Camping Soleil. Oui. Faut pas, On ne peut pas rentrer du même côté du village, mais euh, ça ressort joint, puis la route des érables qui nous sépare. Ah, bon, bon. Tout. bon. Ouais. OK. Oui. Et vous, a, vous avez toujours été producteur agricole ou vous, a, vous dites que vous avez quitté pendant quatre ans? Euh... Non, moi j'ai su des études au niveau du Cégep euh, comme technicien en administration, option finance, ici à Tête-Forte. J'ai quitté pour euh, euh, j'ai quitté Canard pour aller euh, travailler pour la Banque provinciale. Ah, bon, bon. Ouais, euh, là, ma tâche, moi, au niveau de la Banque provinciale, c'était que je prenais les succursales après euh, la vérification. Ils faisaient des vérifications de chaque succursale. Moi, genre, euh, les pires succursales, les succursales qui étaient les plus en désordre, c'est moi qui les ramassais. Et je les remettais en ordre. Ah bon, bon, ouais, bon. C'était ma, ma tâche que j'avais à faire au niveau de, de la Banque Provinciale. Et vous êtes revenu comme producteur agricole? Oui, en 80, j'ai quitté la banque, j'ai euh, acheté la ferme familiale. Mais ça, je l'ai fait par amour, parce que j'aimais le grand air, j'aimais le, le, le travail de la ferme. Je suis revenu au niveau de la ferme. Maintenant, si on revient là, maintenant qu'on connaît un peu mieux euh, qui est Marquis Bédard, j'aimerais savoir pourquoi vous vous présentez. Quels sont les intérêts de se présenter à la mairie? Les intérêts, ben, c'est que j'aime j'aime ma municipalité. Euh, j'ai j'ai toujours existé au niveau de, de, de ma municipalité. J'aime ma municipalité, puis j'aimerais euh, euh, venir pour euh, essayer d'améliorer des, des choses qui le présentement que je trouve que c'est pas correct. Là, okay. euh... Mais il faut dire que vous avez une expérience pertinente euh, de l'administration municipale parce que vous avez été conseiller et même maire à, oui. à, à Mill. Oui. Euh, J'ai été conseiller huit ans. Euh, de, 97 à de, de 97 à 2000... non, de 99, excusez-moi, de 89 de 99 à, 99 à 97, c'est oui, okay. ça, de 89 à 97. Après ça, j'ai été maire de 2001 à 2009. Et là, vous revenez, je, oui. vous avez commencé à répondre un peu à ma question, si je vous pose de pourquoi, parce que vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer. Oui. OK. Oui, Alors, a... vous, euh, vous avez un programme? Vous avez… Euh... Oui, j'ai un programme d'établi. Euh... Alors, on va y aller. Vous avez oui. combien de points? là. J'ai sept points. Bon, sept. Alors, allons-y. Ouais. Le point numéro un. Le point là, numéro un, c'est d'assurer le développement et l'entretien du réseau routier sécuritaire et fiable à je m'explique, euh, même encore ce printemps, euh, il y a des citoyens que même l'ambulance n'aurait pas été capable d'aller les chercher, tant que les chemins étaient maganés. On sait que c'est le printemps, mais euh, ça ne devrait pas être discuté en 2017. Ça, c'est le point numéro un. Ça, c'est le point numéro un. Le deuxième. Le deuxième, c'est informer les résidents de Canard. Des, ré, des réalisations et des dépenses municipales par le journal sont là sur le site Internet. Euh, là, je, présentement, je fais du porte-en-porte. Je, -porte. Euh, je vais parler avec des gens. Puis les, les gens reviennent toujours là-dessus. On, on sait qu'il y a une dépense, mais on ne sait pas pourquoi que cette dépense-là est faite. Les raisons pourquoi a, ces dépenses-là euh, sont faite. C'est un peu de montrer de la transparence de ma part que je, je veux les, essayer de, de les tenir au courant des dépenses qui, qui vont être faites. Ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. Le troisième. Consulter la population sur les besoins et ensuite élaborer un plan stratégique de quatre ans qui, précie, qui précise les futures réalisations municipales. Euh, Autrement dit, moi, ce que je veux savoir de la population, c'est quoi qui veulent de son conseil municipal. Là, on a un dossier. Euh, le conseil a acheté euh, l'Église catholique. Puis j'aimerais ça que les gens de la municipalité me disent c'est quoi qui attendent, eux autres, de le conseil municipal avec cette Église-là. C'est quoi qu'ils aimeraient avoir dans cette Église-là. C'est quoi qu'ils aimeraient faire avec. C'est euh, une des raisons, mais il y a bien d'autres raisons aussi euh, de demander ben, les autres c'est quoi que ça, qui attendent le de, de Conseil. C'est quoi qu'ils veulent qu'on fasse pour la municipalité. Oui, quand on parle de Canners Mills, on parle de, du village au combien? Cinq? Il y a quatre églises, quatre euh, églises euh, dans le même oui. coin. Ben oui. Dans le même coin de rue, on peut dire. Ben oui, oui. Il y a quatre églises. C'est pittoresque, euh, c'est très. Oui. Euh, c'est un, un très beau site. Euh, malgré de, toutes les années qu'on qu est, c'est encore vivant. Euh, à tous les étés, oui. pour, oui. euh, pour, euh, oui, il y a encore des guides pour euh pour présenter ces l'animation. Oui, il y a de l'animation de... encore. Oui. oui. Puis il y a la belle vieille école en arrière de l'école. Oui, l'école anglaise euh, qui, est, euh, qui est un très beau site, même à visiter. Là. Euh, oui. Ben, moi, je la connais un peu parce que j'étais président du de Chemin des artisans, puis on, uh -huh. on a eu des, des artisans qui, qui ont logé là et ils étaient oui. au bonheur. C'était oui. le bonheur. <laughs> Alors, allons-y, on est rendu au, au point 4. Point 4, c'est planifier le développement domiciliaire en considérant les caractéristiques de la municipalité. L'article 59, l'ouverture des chemins, l'autorisation de la CPTAQ. Euh, puis les promotions des terrains euh, pour essayer d'attirer le plus de monde possible au, niveau, au sein de la municipalité. On a une grande municipalité, elle est très peu peuplée. Euh, J'aimerais qu'au niveau de... Surtout au niveau du village, on ne pourrait pas attirer des gens ou demeurer au niveau, au niveau du village pour essayer d'augmenter le, le nombre de personnes là, qui demeurent au niveau de la municipalité. Vous savez que maintenant, depuis qu'il y a eu un regroupement à Thetford, qui comprend Robertson et Pontbriand, Kenner's Mills est devenu la banlieue de Thetford. C'est ça. Puis <laughs> là, c'est même pas un jeu de mots, c'est une, non, non, c est c est une ça, réalité. C'est une réalité, oui. Donc, est-ce que vous voulez jouer un peu sur ça aussi là, quand on parle de planifier le développement domiciliaire pour attirer des gens en lui disant ben, écoute, ouais, on, on est à la là. porte de la ville, nous, là. Oui, en, en gros, c'est ça. C'est euh, ça notre publicité. C'est qu'étant donné qu'on est rendu près de la ville, puis s'il y a des gens qui aimeraient demeurer à l'extérieur de la ville, est, je, je pense que c'est rendu. Euh, ça, est, ça va être un bon placement. Là. Donc, ça, c'était euh, le quatrième point. Hein? Oui. Un, deux, trois, quatre. Oui. Alors, le cinquième. Garantir à tous les résidents des services de communication modernes indispensables comme Internet, la fibre optique, euh, cellulaire. Euh, là, présentement, le cellulaire va bien, mais il y a encore des, des coins de la municipalité que ça ne rentre pas encore. Euh, Essayez que toute la population a le cellulaire. Puis euh, la fibre optique, euh, j'étais maire dans le temps quand on a commencé à en, en discuter de la fibre optique. Euh, je me rappelle, c'était euh, Serge la Liberté qui avait commencé ça, ce dossier-là, au niveau de la MRC. Euh, Et le, là, il y, a, il y a un projet au niveau de la MRC euh, pour les. Je pense qu'il y a 18 localités sur 19 qui ont déjà adhéré qui sont au projet. En faveur, au pro... ouais, qui sont en faveur du projet. Puis là, euh, il a sorti un article cette semaine euh, par rapport à Hydro-Québec que euh, ça serait. C'est le gouvernement et Hydro-Québec qui auraient une entente d'installer la fibre optique au niveau des municipalités. Ah oui? Oui. Euh, Je n'ai pas tout l'explication, le, ouais. les détails du, du message. Mais il y a quelque, quelque ça, chose oui. qui, qui oui, se Oui, il y a quelque en chose, en chose ça? qui se passe là-dedans okay. au niveau du gouvernement, gouvernement provincial et Hydro-Québec. Bon. Ça, c'était le cinquième. cinquième. Le sixième point favoriser le travail efficace des employés municipaux en leur fournissant une description de tâches précises et complètes. Je veux faire une, je veux m'asseoir avec eux autres puis euh, déterminer le, le déterminer une, une fonction, c'est quoi, le description de tâches. Présentement, là, ils n'ont pas. Il y a euh... combien d'employés municipaux euh, mmh. euh, si on on exclut les, les la, la directrice générale, puis au secrétariat, tout ça, là, mais des employés, ce qu'on appelle l'école bleue. L'école bleue, il y en a deux. sont deux. Oui, mais c'est pas à temps plein. Ah, c'est bon, du bon. temps partiel. Okay. Au niveau du réseau routier, c'est l'été, l'automne. Euh, euh, L'autre, c'est des tâches euh, qu'il y a à faire au niveau des bâtiments, tout ça. Euh, c'est pareil, c'est euh, deux. C'est deux, deux emplois, mais euh, saisonniers. OK. Ça, c'est le, euh, le sixième. sixième. Le, le septième. Le septième, c'est acheter et utiliser un véhicule identifié au nom de la municipalité pour le déplacement des employés. Là, présentement, euh, on utilise euh, les véhicules des, de, de chaque travailleur, mais là, j'aimerais avoir moins. Euh, un véhicule qui est identifié, quelqu'un qui passe dans le chemin, on le sait que c'est un employé de la municipalité. Ah oui, OK. C'est ça. On n'a pas de véhicule identifi identifié à notre nom. C'était vos point. points. Je, vais, je vous demande, est-ce que vous vous présentez individuellement à Coleraine, euh, à, Coleraine, à, pardon, à Mill, mm. ou si vous avez… Une équipe avec vous. Euh, non, je pense qu'il y a des élections à la mairie et à un poste de un conseiller. Un poste de conseiller, hein? oui. Non, c'est invi... individuel. Individu. Ouais, chaque individu, euh, de son côté, a présenté le. Ouais, c'est individuel. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Pas... Non, non, il n'y a pas d'équipe euh, okay. au niveau de la municipalité. Donc, c'est vraiment, là, vous vous présentez à la mairie, point. Oui, les point. autres. Euh, ben, de toute on... façon, vous en avez déjà on combien est tous là, qui sont élus? Oui, il y en a cinq. Il y en a cinq. Il y a un poste, un, à, poste de conseiller. Puis le vôtre. Le, le vôtre oui, à, à la mairie. Bien, M. Pédard, bonne chance. Merci. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité pour parler de l'élection municipale à Kenners Mills, j'ai le plaisir de recevoir le maire sortant, M. Paul Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Euh, vous sollicitez quel énième mandat? <laughs> le troisième. Le troisième. Oui. Je suis devenu maire en 2009. Alors, 2009, ce, ce 2013. Fut mon et... premier mandat, 2013 et maintenant 2017. Qu'est-ce qui fait qu'on se représente pour un troisième mandat? Après huit ans, là? Euh... Euh, la question est très bonne parce que j'avais dit publiquement que je ne me représenterais pas, que deux mandats étaient suffisants et que je ne me représentais pas. Euh, mais être maire, c'est des défis à tous les jours. C'est euh, une tâche qui, qui demande d'être un peu multidisciplinaire. Il faut parfois être avocat, il faut être notaire, il faut être ingénieur, il faut. Il faut faire tout, parce que quand on est dans une petite municipalité, bien, euh, toutes les tâches nous incombent. On n'a pas le personnel euh, dédié euh, pour euh, chacune des, des obligations ou des actions. Ne serait-ce qu'on tête de feu d'avoir un directeur général oui, là, pour exactement. planifier le on, travail. On, on a une direction générale, mais c'est une direction générale à temps partiel, puis on a un employé à temps partiel, puis bon, ça gravite autour de ça. On comprend que la municipalité, c'est 375 personnes, alors c'est limité. Mais je vous dirais qu'au-delà euh, du défi, qui est, qui est stimulant, qui est intéressant, euh, il y a des dossiers. Et ces dossiers-là, ben, euh, euh, tant qu'ils ne sont pas complétés, ou tant a aussi longtemps qu'on peut servir, puis qu'on qu peut servir les citoyens, il faut être là pour les bonnes raisons. Il faut être là d'abord pour le service aux citoyens. Et tant qu'on peut le faire, je suis à la retraite, je suis disponible. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, je, je retournais, euh, je représentais ma candidature. Quels sont les défis à venir pour la municipalité de Kinnos Mills? La municipalité de Kinnos Mills a un avantage euh, important. Elle est à proximité de Thetford Mines. Ben oui, on en 20. parlait tout à l'heure ouais. avec euh, l'autre candidat. Ouais. Vous êtes devenu la banlieue de Thetford. Ben Oui, on est à 15-20 minutes de Thetford Mines. Donc, c'est un avantage dans le sens que les services sont tout prêts. On peut même dire à la blague qu'on a un IGA et qu'on a un, un hôpital qui est à 15 minutes de chez nous. Puis on n'a pas de frontière. Donc, c'est une réalité, c'est vrai. Par contre, il y a un inconvénient qui est lié à ça. Euh, un dépanneur chez nous, on va toujours se poser la question va-t-il être viable, étant donné que nous sommes à 15 minutes de Mainz? Donc, il faut trouver des façons de faire chez nous qui vont nous permettre une vie intéressante, riche de notre village mais en étant, en étant capable d'utiliser les services de la ville à proximité. C'est pour ça qu'on a fait euh, le parc, le parc municipal. Qui est, le long de la rivière Le long de la rivière. On a aménagé la rivière Osgoode. Ça, ça c'était davantage un projet environnemental. Il fallait protéger les verges euh, parce qu'il y avait une érosion qui était importante. On voulait également ramener la fonte. Donc, un coup de la rivière a été aménagée en même temps, on s'est dit un sentier pédestre le long de la rivière et l'aménagement du parc pour être capable d'offrir aux citoyens, mais pas juste aux citoyens de Kino's Mills, aux citoyens de la région, un, un attrait qui est très intéressant, qui est bucolique puis qui est, qui est agréable. Alors, euh, c'est un exemple. Ça. Mais euh, je vous dirais que le défi auquel les petites municipalités sont confrontées et euh, ça ressemble un peu au défi auquel étaient confrontés nos prédécesseurs il y a. 50, 70 et 15 ans, les communications. Euh, Aujourd'hui, en 2017, on peut pas faire fi de systèmes de communication modernes. Je pense au cellulaire, je pense à la fibre optique, je pense à des moyens de communication modernes parce que euh, le commerce en ligne, euh, l'achat en ligne, c'est une réalité et euh, on ne peut pas être des citoyens de seconde zone. Il faut être capable de se prendre en main. Alors, à mon avis, un des projets les plus importants qu'on devra faire dans nos petites communautés, euh, ce sera un service euh, d'installation d'une fibre optique. Là, on parle de coûts élevés, de coûts importants. Euh, Kinos 000, si ma mémoire est bonne, un coût d'installer une fibre optique devrait être autour de près d'un million, là, 620, ah, 625 000 autour de ça. Ouais. Alors, euh, c'est sûr qu'il faut être capable de s'entendre, travailler. En collégialité, en collaboration avec d'autres municipalités autour de nous pour être capables d'abaisser des coûts. Mais Bien, justement, il n'y a pas un projet hein, qui. Oui, est... il y a un projet. Parce euh... qu'il faut dire aussi que vous êtes le préfet de la MRC. Oui, oui. Puis il me semble que je... moi, je me suis laissé dire qu'il y avait actuellement 18 des 19 localités ou corporations municipales qui adhéraient à un projet Bien, ou en il... tout cas à une étude. De... Vous avez raison. Hier, il a été présenté euh, au Conseil des maires, avant mm -hmm. le Conseil des maires, et les 19 municipalités étaient présentes, presque les 19. Et euh, c'est un projet pour l'ensemble de la MRC là, qui est de 26,8 millions. Oh, pareil. Oui, oui c'est un gros projet. Mais il faut, faut dire que la, la MRC de Bécancour l'a fait. Puis la MRC de Bécancour est comparable en termes de population, un peu moins populeuse que nous, moins de municipalités, mais des municipalités de taille semblable. Et ils l'ont réalisé. Et c'est rentable parce que les municipalités deviennent propriétaires de leur fibre optique. Ah, oui, oui, oui. Alors, vous imaginez. Euh, on ne peut pas se permettre, permettre d'avoir le luxe quand on est pris entre Tatford Mines et Québec et Saint-Georges-de-Beauce, euh, dans une relative proximité, Sainte-Marie. On ne peut pas se permettre d'être isolé puis d'avoir des systèmes de communication qui ne sont pas adéquats. Bien, le cellulaire ne fonctionne pas entre euh, maintenant, justement en passant par Saint-Gilles. Maintenant, maintenant, il fonctionne. Oh, euh, ah oui, c est, c est, ouais, ben, maintenant on... il fonctionne. En fait, c'est on a travaillé avec la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf pour acquérir la tour. Hydro-Québec se dé départissait d'une tour qui était très bien située et euh, la municipalité. C'est de... vrai que vous êtes voisins, vous autres oui, oui, Saint-Jean-de-Brébeuf oui. puis Kenner's Mills, ça se touche. C'est limitrophe et la tour euh, surplombe le village de Kenner's Mills. Alors, un coup que la tour a été transférée, Belle en est devenue locataire. Belle a installé l'équipement et à partir de là, la magie est opérée. <laughs> le, le cellulaire, euh, comme on va dire dans notre langage, poigne partout. Bon. Alors, euh, c'est presque réglé. Il y a peut-être un ou deux points euh, isolés encore, mais ça, on va régler ça euh, rapidement et relativement facilement. Fait que ça, c'est réglé. Mais euh, simplement par anecdote, là, on a des jeunes qui sont venus s'installer à Kinner's Mills. Alors, pour nous, il était comme évident que quand tu construis une maison, tu as le téléphone. Ils se sont vus refuser le téléphone, la ligne conventionnelle, parce que Bell ne déployait plus de cuivre. Le cellulaire ne rentrait pas parce qu'il était dans un creux, une dépression. Et ça coûtait trop cher pour la fibre optique. Donc, quelqu'un s'installe dans un village, il n'a pas le téléphone. Mais semble qu'on est proche du service essentiel. Et moi, je me dis on est dans une situation semblable à celle de nos prédécesseurs quand ils ont eu à se demander s'ils devaient installer le téléphone ou non. Ou l'électricité. Ou l'électricité. Un autre élément aussi qui est très important, c'est les chemins, les routes. Ça, on, ça fait 100 ans qu'on en parle, mais on va continuer d'en parler encore. Lorsque je devenais maire en 2009, on avait fait faire une étude pour par SNC-Lavalin pour voir, remettre en état les chemins, combien ça coûterait. Et là, on était euh, dans les, les millions qu'on n'a pas. Alors, il fallait augmenter le budget de la voirie. On l'a augmenté, on l'a plus que doublé. Il était de 50 000, il est autour de 100 quelques milles maintenant, plus ce qu'on appelle euh, la taxe d'assises, un autre 100 000, etc. Mais il faut, faut faire un effort soutenu, régulier, constant, dans les chemins. Pourquoi? Parce que notre économie repose principalement J'allais dire presque uniquement sur l'agriculture. C'est à ça que servent nos chemins. Nos chemins servent aux camions de purin, aux camions de lait, puis pour euh, convoyer l'eau d'érable. C'est à ça que ça sert. Évidemment, pour le transport, le transport scolaire, etc., là, ça sert également à ça. Mais principalement, si on veut soutenir notre économie, qui est une économie agraire, ben il faut travailler sur des chemins. Là où on a un problème majeur, c'est avec des, les politiques gouvernementales. La CPTEQ, la Commission de protection du territoire agricole. Euh, c'est très restrictif. On nous empêche d'être capable de prendre de l'expansion. On est justement, on s'est fait refuser dernièrement une expansion de notre périmètre urbain. Or, pour être capable d'avoir des chemins adéquats, ça prend des gens qui paient des taxes. Et si on n'a pas de taxes, c'est le seul revenu ou à peu près pour les municipalités. Alors, euh, ça nous prend des payeurs de taxes pour être capables de servir l'agriculture. Et la Commission de protection du territoire est là pour protéger l'agriculture. Donc, à quelque part, là, il devrait y avoir quelque chose au niveau gouvernemental pour régler une situation comme celle-là, parce qu'on s'en va nulle part. Ça, c'est une préoccupation que j'ai qui, qui, qui m'interpelle beaucoup. Le territoire de, de Kenrose Mills, est-ce qu'il s'est étendu en superficie? Vous oui, avez... c'est. Euh, je ne me souviens plus par cœur. Moi, les, malheureusement, je n'ai pas la notion des, des chiffres euh, par cœur, mais c'est un des territoires… Euh, c'est assez grand. Euh, hein? Oui, oui, c'est très grand. Il est limité par Thetford Mines, Saint-Jean-de-Brébeuf, euh, Saint-Pierre-de-Bretonne, saint jacques de Leeds. Alors, euh, ce sont les, les municipalités limitées. Donc, mitrophes. ça veut dire ça, ça commence à être grand, ça, là? Oui, alors? oui, oui. Puis, un, une des choses qu'on a, c'est pas sous mon mandat, et, et ça a été fait par mes prédécesseurs, mais c'est important de le souligner, le bon travail qui a été fait aussi précédemment. Euh, on est dans la continuité des choses, et on continue de faire, à mon avis, un excellent travail. Ça a été un, de regrouper euh, nos, euh, notre service incendie. On l'a avec Saint-Pierre-de-Bretonne, saint georges de lide et Kiner's Mills. On s'entend qu'une petite municipalité comme la nôtre ne oh, serait pas capable de se, se payer un camion d'incendie, une caderne, etc. Donc, en le faisant ensemble, euh, ça nous a permis d'avoir un service de très bonne qualité. Et ce qu'on a fait, nous, depuis deux ans, la municipalité de Kinners Mills, on avait une obligation d'installer ce qu'on appelle, nous, une borne sèche. En fait, une borne fontaine. Bien, on l'appelle bande sèche parce qu'elle va chercher son eau à partir de points d'eau, d'étangs, de, de lacs euh, privés. Alors, on avait l'obligation d'en installer une, mais on est rendu à la cinquième, qu'on a installée à des points stratégiques sur l'ensemble du territoire. On veut en déployer encore une ou deux parce que la sécurité, évidemment, ça nous tient à cœur. Le cellulaire aussi, ce qui nous interpellait, c'était encore une fois question de sécurité. Ben oui. Les gens euh, vivent la forêt, notamment. Alors, s'il y a un accident... Et euh, tu n'as pas le cellulaire, on a un problème. Ça fait qu'on a identifié, on, on, on a obligé les citoyens à identifier tous les lots. Même si tu n'as pas de maison, tu as juste une cabane à sucre, bien, si c'est 15-40, euh, 13e rang, tu le mets. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui est en détresse à quelque part, bien, euh, allez dire. Euh, ouais, euh, il, y aura, il y aura un point de repère. Hein? Oui, parce qu'aller dire à l'urgence, euh, je suis entre les deux gros sapins proches de la roche, là. Ça, oui, ce n'est pas suffisant. <rire> <rire> euh, il reste une minute, euh, M. Comment Vachon. Euh, à Kenner's Mills, il y a des élections à la mairie, puis je pense à un poste de conseiller oui, aussi. Oui, un poste de conseiller, euh, effectivement. Est-ce que vous faites équipe ou ce que vous vous présentez, là, on dit individuel? Euh, C'est individuel. Il n'y a, euh, a pas de parti euh, chez nous, puis il n'y a pas d'équipe Paul Vachon ou d'équipe comme on va retrouver ailleurs. Euh, il y aurait pu en avoir mais euh, ça laisse le choix finalement à, aux, aux citoyens de voter pour qui ils veulent puis euh, d'entendre les gens aussi de, de se prononcer sur euh, sur leurs priorités. Donc les élections ont lieu le dimanche, dimanche 5 novembre, 5 novembre et le vote par anticipation a lieu le dimanche précédent le 29 octobre. C'est à la salle municipale à Kinos Mills. Euh, dans l'après-midi en ce qui concerne le vote par anticipation et à partir de 10 heures pour euh, le, vote, le vote général. Ce qui est le plus important, c'est de dire aux citoyens de venir voter. Qu'ils votent pour qui ils veulent, mais okay. qu'ils viennent voter parce que la municipalité, c'est le gouvernement le plus près d'eux et c'est pour eux qu'on est là, alors qu'ils viennent exprimer leur volonté. Merci beaucoup. Merci. Alors j'avais le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission les deux candidats à la mairie de Kenner's Mills, soit M. Marquis Bédard et M. Paul Vachon. À la semaine prochaine.